Merci, merci d'écouter la Radio Nationale du Mali. Il est 13h à Kemassina dans la région de Ségou, 14h à Libreville au Gabon. Le journal Bourama Traoré. Les titres. La Russie bloque une résolution de l'ONU demandant la prorogation des sanctions au Mali mises en place en 2017. Elle estime que ces sanctions ne doivent pas être utilisées comme moyen d'influence étrangère dans notre pays. Les autorités nigériennes ont instruit au service de police de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France. Cette décision fait suite à l'expiration du délai de 48 heures exigé par Niamey pour le départ du diplomate français. Trois régions, un destin commun, celui du développement. Sikasso, Koutala et Bougouni veulent promouvoir l'interrégionalité pour répondre aux aspirations de leurs populations respectives. Savez-vous qu'en cas d'infraction, vous devez avoir un avocat pour mieux comprendre les contours? Eh bien, Bemba Sibi nous expliquera toute la procédure. C'est le sujet de la chronique judiciaire ce jeudi à suivre en fin d'édition. Sport, le Mali sera présent à la Coupe d'Afrique junior féminine de handball en Tunisie. L'équipe nationale junior a reçu hier le drapeau national des mains du ministre en charge des sports. Au menu également, la leçon du sport qui porte ce jeudi sur les sanctions au volleyball. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec cette audience que le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a accordée hier à une délégation des femmes de l'UEMOA. Elle est venue plaider auprès du chef du gouvernement pour l'adoption d'une disposition communautaire dont l'application pourrait booster l'émergence du genre dans l'espace. À sa sortie d'audience, la directrice du genre auprès de la commission de l'UEMOA, Barbara Ki, s'est confiée à Alphonse Touré de la presse de la Primature. Ce schéma type a été élaboré de manière participative avec l'ensemble des États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie genre de l'UEMOA qui a été adoptée en 2018. Et donc il s'agit d'un dispositif institutionnel qui aide à opérationnaliser la transversalité du genre dans l'ensemble des politiques publiques. Le Mali, depuis 2019, a participé activement à l'élaboration de ce dispositif institutionnel. Et il s'agit d'un dispositif qui doit être mis en place par les États membres, parce que vous savez que la question de la sexospécificité n'est pas toujours bien comprise. Ce schéma touche à l'ensemble des ministères, c'est-à-dire qu'il induit une réforme au point de vue organisationnel. Cette réforme ne peut être effective sans l'aval de la plus haute autorité. C'est pour cela que nous nous réjouissons de cette audience qui nous a été accordée, qui permettra de pouvoir commencer déjà la mise en place effective du schéma à travers l'ensemble des ministères sectoriels. Parmi ces ministères sectoriels figure certainement celui de l'agriculture qui occupe près de 80% de la population active au Mali. Le chef de ce département stratégique à la rencontre des responsables de l'APECAM, de la CMDT et de l'OHVN. Ces structures qui relèvent du ministère de l'agriculture traversent de sérieuses difficultés dont la vétusté des locaux, le retard dans les paiements des salaires et l'insuffisance des moyens logistiques. Après avoir vu et entendu, le ministre de l'Agriculture a fait certaines propositions sur les pas de Lassine Dembélé, Mohamed Kayantao. Quand un membre du gouvernement se rend dans les structures relevant de son département, certainement c'est pour prêter une oreille attentive à leurs doléances. Cela afin d'y trouver des solutions idoines. C'est à cet exercice que s'attelle le ministre de l'Agriculture. Lassine Dembélé a débuté sa tournée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM. D'échanger avec les producteurs et les agents d'encadrement et partager nos visions avec eux. Le ministre et sa délégation ont ensuite été accueillis à la CMDT, où le secrétaire général de la section syndicale a fait le survol des préoccupations des travailleurs de cette structure. Après avoir pris bonne note des doléances signalées, le chef du département de l'agriculture s'est enfin rendu à l'office de la Haute-Vallée du Niger, OHVN. Le problème de personnel est ressenti au niveau de toutes les structures de façon transversale. Le fait qu'on n'a pas suffisamment de personnel pour pouvoir exécuter les missions de service public. Il y a lieu aussi de restructurer. La CMDT, on a voulu créer des filiales. Ça, c'est la mission de restructuration qui avait identifié qu'il fallait créer des filiales. Ces filiales ont été créées, les quatre filiales. Malheureusement,
On a voulu aussi privatiser les filiales pour que chaque filiale puisse être gérée par les privés. Ce processus a été enclenché. Ça n'a pas débouché. Parce qu'entre-temps, avant même qu'on boucle le système, il y a eu les événements de 2012 et on pense à mettre une direction générale et transformer les filiales en direction régionale. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on partage notre vision avec eux. Les responsables de ces structures visitées ont salué les efforts du gouvernement pour la subvention des engrais et l'augmentation du prix du coton. Quant aux visiteurs du jour, il dit avoir pris bonne note des doléances et que c'est ensemble que des solutions seront trouvées. La Russie bloque une résolution de l'ONU prolongeant les sanctions au Mali. Cette résolution du Conseil de sécurité prévoyait de prolonger d'un an les sanctions mises en place en 2017 contre certains Maliens accusés d'entraver le processus de paix ainsi que le mandat du comité d'experts chargé de les surveiller. Les sanctions ne doivent pas être utilisées comme un moyen d'influence étrangère au Mali et c'est ce que le comité d'experts faisait, a dénoncé l'ambassadeur russe Vasily Nebenzia. Au Niger, les autorités de la transition ont instruit au service de police de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères. Le ministère français des Affaires étrangères avait répondu que les militaires n'ont pas autorité pour faire cette demande. Dans une note publiée le 29 octobre dernier, le ministre nigérien des Affaires étrangères a rétorqué qu'au terme du délai de 48 heures expiré à compter du 28 octobre 2023, le diplomate français ne jouit plus de privilèges et immunités attachés à son statut. Au Gabon, le chef de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema, a été désigné président de la transition. Les militaires qui avaient rétabli l'accès à Internet dans la matinée du mercredi ont également ordonné le rétablissement de la diffusion de certaines chaînes françaises suspendues par le gouvernement déchu. Ils ont toutefois maintenu le couvre-feu en vigueur depuis samedi. Il est désormais effectif de 18h à 6h du matin en vue de maintenir le calme et la sérénité selon les nouvelles autorités. Le désormais ex-chef de l'État, Ali Bongo, 64 ans, est apparu dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux où il appelle en anglais tous ses amis dans le monde à faire du bruit. Au Bénin, le président Patrice Talon entame ce jeudi une visite d'État en Chine aux saveurs économiques. Sa première d'ailleurs à l'étranger depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2016. Dès demain, il rencontrera son homologue chinois Xi Jinping pour un tête-à-tête. Au programme également, des séances de travail avec le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale populaire chinoise. Il est également prévu la signature de 15 accords afin de favoriser le co-investissement, l'implantation d'entreprises industrielles chinoises au Bénin, des entreprises du textile, des transports en commun, l'industrie automobile électrique et des appareils électroménagers. En RDC, au moins 10 personnes ont été tuées hier en marge d'une manifestation à Goma dans l'est du pays. Appartenant à un groupe mystico et religieux, les manifestants disent réclamer le départ de la MONUSCO et de la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Elles sont accusées d'immobilisme face à l'insécurité dans la partie orientale de la RDC. Pourtant, cette manifestation avait été interdite par les autorités de Goma. Enfin, en Afrique du Sud, au moins 73 personnes sont mortes dans un incendie à Johannesburg selon les services de secours. L'incendie s'est déclaré ce jeudi en début de matinée dans un immeuble de 4 étages dans le centre-ville. 52 autres personnes ont subi des blessures légères, précise le porte-parole des services de secours, Robert Moulozi. Retour au Mali, direction la cité verte où les gouverneurs de Sikasso, Bukuni et Koutiala ont bouclé hier les rencontres interrégionales. Cheminer ensemble pour faire face aux défis communs de développement, telle est l'ambition de ces exécutifs régionaux. Il s'agit aussi pour les représentants de l'État de créer un espace convivial et harmonisé pour l'épanouissement des populations des différentes régions. Sekou Konaté nous appelle de Sikasso. Pendant deux jours, les acteurs venus des trois régions, Bukuni, Koutiala et Sikasso, ont passé en revue les préoccupations majeures des différentes entités, les acquis, les défis auxquels ces régions font face au plan économique, social et culturel, et proposer des pistes de solutions. Un exercice harmonieusement mené qui a débouché sur la formulation d'importantes recommandations. Elles vont de l'effectivité de certaines directions régionales encore absentes dans les nouvelles régions, au renforcement des ressources humaines, en passant par une concertation permanente entre les acteurs et partenaires techniques et financiers, pour une harmonisation des actions de développement, entre autres. Les recommandations ainsi formulées bénéficieront de l'appui des autorités compétentes au niveau régional, national et partenaire pour une meilleure mise en œuvre. Général de brigade Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala. Cette rencontre doit nous permettre de porter et les partager avec les autres acteurs de développement des régions à tous les niveaux. Les autorités régionales des trois régions vous assurent de leur disponibilité à accompagner la mise en œuvre des recommandations issues
du dit cadre. Rappelons que cette initiative que le gouverneur entend de pérenniser est soutenue par le projet Beni Basigi, mis en œuvre par Mercicorp avec l'appui de l'Union européenne et le gouvernement du Mali. Sikasso, Sekou Konaté et Amadou Dolo pour l'ORTM. Si à Sikasso, on veut promouvoir l'interrégionalité pour soulager les populations, à Gao, on est surtout préoccupé par la situation des déplacés internes. Les membres du comité régional de pilotage du projet initié dans ce sens se concertent autour de la question. En ligne de mire, la cité de l'espoir où sont construites en briques cuites 226 maisons. Cette cité qui doit abriter ces déplacés internes sera inaugurée le 22 septembre prochain. En ligne de la cité des Askia, Agali Agissa. Plus de 7260 déplacés internes sont recensés dans la région de Gao, un chiffre qui embrasse les membres du comité chargé de la gestion de ces déplacés réunis ce mercredi. Il s'agissait pour ces administrateurs de faire le point des réalisations de la cité de l'espoir Nata et examiner les conditions de peuplement du site. Amadou Omar, représentant de YACR. La capacité actuelle de la cité en termes de logement est de 226 maisons qui sont totalement finies. Il y a aussi la réalisation du dispensaire qui va aussi assurer quand même la santé des personnes qui vont y vivre. Il y a aussi une maternité qui est déjà totalement réalisée également. Les dizaines de personnes forcées de fuir leur localité à cause de l'insécurité qui occuperont la cité Espoir Nata bénéficieront de l'accompagnement des humanitaires pendant les 6 premiers mois, rassure Amadou Omar. Il s'agira d'une assistance alimentaire et des projets d'insertion socio-économique. La sécurité des futurs habitants de la cité était la principale préoccupation des membres du comité de pilotage. Des recommandations dont le recensement des futurs bénéficiaires, la sécurisation du site ont été formulées. Amadou Omar, représentant du HCR. Les dispositions ont été prises pour pouvoir au moins créer un checkpoint juste après le site. Agali Aginamou Diatara, directeur du cabinet du gouverneur de Gao. Nous nous sommes entendus là-dessus comme quoi le 22 septembre, ce serait la remise, c'est-à-dire ça fera vraiment l'inauguration. Et cette inauguration sera en tout cas précédée par une évaluation à mi-parcours. Gao, Agali Agissa, Alassane Hamadou pour l'ORTR. Ce générique annonce donc la page sport au menu handball. L'équipe nationale junior féminine du Mali participe à la Coupe d'Afrique de la discipline à Monastir en Tunisie. La compétition se tiendra du 7 au 14 septembre 2023. Avant leur départ pour la Tunisie, les handballeuses maliennes ont reçu hier des mains du ministre en charge des sports le drapeau national. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tchinou. L'équipe nationale junior du handball du Mali a reçu ce mercredi le drapeau national des mains du ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'Institution civique et de la Constitution citoyenne, Abdelkassim Ibrahim Fomba. Il leur a exhorté de faire une bonne participation au championnat d'Afrique des nations de la catégorie Daouda Kone. C'est par l'entonnement de l'hymne national du Mali que la cérémonie de remise du drapeau national a commencé. Cela pour montrer aux filles combien ce symbole est important. Il a été remis à la capitaine de l'équipe nationale féminine junior de handball du Mali par le ministre en charge des sports. Les responsables de la discipline se disent confiants à ce qu'il s'agit de l'espoir de médaille. Aïssata Saounera, capitaine de l'équipe nationale féminine junior de handball. Au nom de toute l'équipe, je voudrais vous dire que Inch'Allah, vous ne serez pas déçus. Nous allons défendre les couleurs de notre très cher pays. Lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Notre équipe est composée de joueuses venues de Kaye, Koulikoro et de Bamako. Nous allons ramener au moins une médaille, et certains même d'amener une médaille. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Dans le sport, il faut tout donner. Et lorsque vous donnez tout, les gens sont fiers de vous, peu importe les résultats. Pensez aux Maliens et pensez pourquoi vous êtes là-bas. Le championnat d'Afrique des Nations junior féminin se tiendra à Monastir en Tunisie du 7 septembre au 14 septembre. L'équipe malienne qui quitte Bamako ce 5 septembre est logée dans la poule B en compagnie du pays organisateur, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie et Madagascar. Football, Supercoupe Colonel Assimine Goïta. La compétition reprend ses droits ce jeudi à Koulikoro à la fin de la quatrième journée. À 16h, l'équipe de Tombouctou affronte celle de Koulikoro. Après trois journées disputées dans le groupe A, le CNT est en tête avec 7 points suivi de Koulikoro et Mopti. C'est Ségou qui est leader du groupe B. Bamako occupe la deuxième place et Kidal est troisième.
Isaac Tienou, nous n'allons pas vous lâcher puisque notre rendez-vous du jeudi sera la leçon du sport. Elle nous parle aujourd'hui des sanctions au volleyball. Ces sanctions qui vont de l'avertissement à l'expulsion sont appliquées en fonction de la gravité de la faute. Les explications donc de Isaac Tienou. Le sport est forcément réglementé. Si les règles ne sont pas respectées, le fautif est sanctionné. Au volleyball, la sanction est progressive et individuelle. Emmanuel Kamate, directeur technique de la Fédération malienne de volleyball, nous donne des précisions. Toutes les sanctions pour comportement incorrect sont des sanctions individuelles. La répétition de comportements incorrects par un membre d'une équipe ou bien un joueur est toujours sanctionné progressivement. Il y a l'expulsion, il y a la disqualification. Les sanctions en volleyball dépendent de la gravité de la faute commise par un joueur ou une équipe. Les sanctions obéissent à des principes. Bon, il y a un avertissement, il n'y a pas de carton. Bon, la deuxième étape n'est pas sanctionnée, c'est un carton jaune. Maintenant, la pénalité, c'est une sanction. On monte un carton rouge, on le brandit en l'air. La sanction la plus sévère reste pour un joueur, l'expulsion, nous dit Emmanuel Kamati. Pour expulser un joueur, on montre le carton jaune plus le rouge ensemble. Maintenant, la disqualification, maintenant, ça c'est montrer les cartons jaunes plus le carton rouge séparément. Ce sont les deuxièmes degrés de sanctions. Les sanctions peuvent être aussi administratives. Chronique judiciaire. Elle porte aujourd'hui sur les infractions. Si vous en avez commis une, faites-vous assister d'un avocat pour comprendre et se situer sur le contour de la procédure judiciaire. Au Mali, les infractions sont de trois ordres, les contraventions, les délits et les crimes. Bien évidemment, on s'expose à des sanctions si on commet chacune de ces infractions. Et ces sanctions varient en fonction de la nature et du décret de l'infraction. Pour comprendre tout cela et avoir les cœurs nets, Bemba Sibi nous explique d'abord c'est quoi une infraction. L'infraction est une violation de la loi résultant d'un acte externe de l'individu socialement imputable et qui est frappé d'une peine prévue par la loi. En matière judiciaire au Mali, il y a trois types d'infractions. Il y a d'abord les crimes comme les meurtres ou encore les incendies, les délits, notamment les escroqueries, les vols et enfin les contraventions, par exemple le non-respect des feux tricolores. Chaque élément d'infraction expose son auteur à des amendes et peines, comme nous l'explique Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur près tribunal de grande instance de la commune 1. Quand on voit au niveau criminel, des peines va de 5 à 20 ans, des peines de mort, des réclusions à perpétuité, des travaux d'intérêt public. Quand on voit au niveau infraction, c'est de 11 à 3 mois, 2 mois, jusqu'à 3 ans de prison, jusqu'à 5 ans. Au niveau des infractions de police, c'est de 11 jours de prison avec des amendes à payer. Si les contraventions sont réglées immédiatement, les délits et crimes font l'objet d'ouverture d'informations judiciaires en vue d'un procès. Là également, les juridictions diffèrent en fonction des cas. Les délits jugés devant le tribunal correctionnel. Et au Mali, dans la district de Bamako, on a un tribunal d'instance. Voilà. Et au niveau des cercles, on parle de tribunal d'instance. Et au niveau de chaque chambre correctionnelle, on juge ces délits là-bas avec le procureur de la République qui est la partie qui poursuit et le juge qui juge. De là de ça, quand on parle de crime, ça c'est au niveau de la cour d'appel. Au Mali, on a trois cours d'appel. La cour d'appel de Bamako qui couvre la région de Ségou, Tigasso, Kati et Koulikoro. La cour d'appel de Mopti qui couvre la région de Gao et de Tombouctou et la cour d'appel de Kaï. Bon, c'est à ce niveau qu'on juge des infractions criminelles. Et ça, c'est aux actifs. Et là, c'est le tribunal de section. C'est-à-dire que ça se passe dans l'année quatre fois. Et chaque trimestre, on organise une cour d'assises et on fait enrôler les dossiers criminels. La qualification des auteurs des infractions détermine la nature de l'infraction, alors qu'à ce niveau, de nombreuses personnes font la confusion. Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur, près tribunal de grande instance de la commune 1. En face d'une infraction, un délit, on a la qualité de prévenu. Et en face d'un crime, on a la qualité d'un accusé. Et à plus de ça, si dans la procédure, on voit que l'infraction ne sert pas, et c'est juste d'instruction de requalifier l'infraction, de ramener ça à un délit ou bien de requalifier en crime. Et il est bon dans chaque procédure d'avoir un avocat. Se faire assister d'un avocat pour avoir toutes les informations sur la procédure judiciaire dans laquelle vous êtes concerné, car l'avocat possède une mission de représentation. À ce titre, il est considéré comme le mandataire de son client en vue du procès.
Bemba Sibi nous donne rendez-vous le jeudi prochain pour expliquer le rôle de l'avocat dans la procédure judiciaire en cas d'infraction. À 13h passées de 19 minutes, on s'arrête là pour cette édition que vous pouvez trouver d'ailleurs sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Rachel Tesougué qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux manettes Sidi Koulibaly. Merci à Ousmane Daou qui m'a aidé à la préparer. C'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.